Savez-vous combien vous coûte votre voiture chaque année? Eh bien moi, j'ai fait le calcul. Vous dépensez en moyenne 6200 euros tout compris. Et tous les ans, ça augmente de 200 euros. Alors, quels sont les trucs et astuces qui marchent et qui vont vous faire économiser de l'argent? C'est la question du jour. Effectivement, Karine, la voiture, ce n'est pas donné. Entre l'entretien, l'assurance, le péage et le carburant, on doit tous les jours mettre la main au porte-monnaie pour rouler. Mais comment je vais faire pour économiser de l'argent? La voiture, elle me coûte un œil. C'est simple, en changeant vos habitudes. Rien de pire que la routine pour passer à côté d'économies potentielles. Il suffit parfois de faire un peu attention pour glaner quelques dizaines d'euros par-ci, par-là. Voici donc 5 recettes qui peuvent vous faire gagner de l'argent. Recette numéro 1, l'assurance. Je vous appelle car mon contrat auto se termine et je voulais ôter quelques options. Votre voiture commence à vieillir. Il n'est peut-être plus utile de continuer à l'assurer tout risque. Mais ce n'est pas tout. Si vous êtes, comme on dit, un petit rouleur, si vous roulez par exemple moins de 8000 km par an, eh bien vous avez une réduction de prime. Mais ça peut aussi exister si vous assurez votre deuxième véhicule auprès du même assureur ou votre moto, par exemple, vous aurez aussi une sorte de forfait global qui vous permettra finalement de payer moins cher. Ajuster votre profil d'assuré peut vous permettre d'économiser jusqu'à 40% sur le montant de votre prime annuelle. Recette numéro 2, l'autoroute. Que vous l'empruntiez quotidiennement ou pour un long trajet, il existe sur autoroute certains accès stratégiques qui sont indiqués sur des sites internet et qui permettent de réduire le montant du péage à trajet égal. Exemple. À Paris-Lille, où vous pouvez économiser plus de 27%, ce qui représente 4,20€ sur un aller. Un Grenoble-Albertville, où là vous êtes à 28% d'économie, ce qui représente 2,30€ aussi sur un aller. Au lieu de faire le trajet d'une traite, vous sortez de l'autoroute pour rentrer aussitôt. Vous renouvelez l'opération 2 à 3 fois en contournant les grandes barrières de péage. Et c'est légal. En faisant le calcul, j'ai déjà économisé 4,30€ sur un trajet Paris-Nantes, par exemple, en prenant les sorties indiquées. C'est pas mal. Bon, l'inconvénient, c'est qu'il ne faut pas louper les sorties. Recette numéro 3, le covoiturage. En France aujourd'hui, 3 millions d'automobilistes partagent leur voiture dans le but de réduire, entre autres, leur facture de carburant. On appelle cela le covoiturage. Si vous prenez l'exemple d'un Paris-Lyon, Paris-Lyon c'est 60 euros d'essence, 30 euros de péage, donc c'est 90 euros. Les places par passager sont vendues 25 ou 30 euros, c'est-à-dire qu'un conducteur va économiser 90 euros en prenant 3 passagers à l'aller. Pareil pour le retour. Le covoiturage n'est pas nouveau, mais il s'est modernisé. Des sites internet vous permettent de choisir votre trajet, l'horaire, ainsi que le profil des gens avec qui vous voyagez. Bavard ou silencieux. Évidemment, le covoiturage peut avoir de petits désagréments. Bonjour. Ça va? Vous voulez pas une petite pastille? Non, ça va, merci. Si, si, j'insiste. Merci. Et si vous préférez la solitude, vous pouvez toujours faire du transport de colis. Bonjour. Je viens chercher le vélo. Ah, c'est pas un petit vélo, hein? Un vélo transporté de Nantes à Paris peut vous rapporter jusqu'à 30 euros et ça marche pour n'importe quel colis. Oh, monsieur, ça rentre pas, hein? Je vais repasser avec un break. Recette numéro 4, le garagiste. La révision de votre voiture est parfois l'occasion pour un garagiste d'arrondir la note de quelques euros avec du lave-glace ou des additifs. Si vous n'avez pas demandé ces produits, déduisez-les de la facture. Ce qui est prévu initialement par l'ordre de réparation, c'est prévu, vous le devez. Ce qui n'est pas prévu et ce qui n'est pas marqué dans l'ordre de réparation, vous ne le devez jamais. Mais un professionnel sérieux ajustera gratuitement votre réservoir de lave-glace. Tout est une question de dosage. Il manque vraiment un tout petit peu de lave-glace. Est-ce que vous pouvez m'en rajouter? Bah oui, bien sûr. Et ça, vous me le facturez ou pas? Ça dépend de la quantité que je mets, mais en général, sur une très petite quantité, je le mets pour quoi. Et si vous maîtrisez le sujet, vous pouvez faire vous-même les mises à jour sous le capot. Votre porte-monnaie s'en portera mieux. Recette numéro 5, jouer les clients mystères. Le bon plan gratuit pour arrondir ses fins de mois. Rémunération de 8 à 15 euros de l'heure. Des sociétés sont mandatées par les constructeurs pour effectuer des enquêtes dans leurs ateliers. Vous faites votre révision et en échange d'un questionnaire à remplir sur l'accueil et le service, on vous rembourse votre facture. Vous pouvez très bien, dans le cadre aujourd'hui d'Internet, ça se développe, tester, j'allais dire, des garages ou des constructeurs et vous êtes rémunéré à ce titre. Mais bien évidemment, vous faites une opération normale, vous faites une révision normale, vous faites un test normal. Vous pouvez également mettre de la publicité sur votre véhicule ou louer votre voiture à un particulier, bien que cela reste encore marginal. Bref, pour économiser de l'argent, les recettes ne manquent pas.
Il faut juste sortir des sentiers battus.